la Bible et le portable. Avez-vous déjà imaginé ce qui arriverait si nous traitions notre Bible de la manière dont nous traitons notre portable? Et si nous portions toujours notre Bible dans notre poche ou dans notre sac? Et si nous lui donnions un coup d'œil plusieurs fois dans la journée? Et si nous retournions la chercher lorsque nous l'oublions à la maison ou au bureau? Et si nous l'utilisions pour envoyer des messages à nos amis? Et si nous la traitions comme si nous ne pouvions pas vivre sans elle? Et si nous la donnions comme cadeau aux enfants? Et si nous l'utilisions lorsque nous voyageons? Et si nous nous en servions en cas d'urgence? Au contraire du portable, la Bible ne reste pas sans réseau. Elle capte peu importe l'endroit. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper du manque d'unité, parce que Jésus a déjà payé toutes les factures et le crédit est illimité. Et le meilleur de tout, l'appel n'est pas interrompu et la charge de la batterie est pour toute la vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous y trouvons quelques numéros d'urgence. Lorsque vous serez triste, appelez Jean 14. Lorsque des personnes parleront à votre sujet, appelez Psaume 27. Lorsque vous serez nerveux, appelez Psaume 51. Lorsque vous serez préoccupé, appelez Matthieu au chapitre 6, versets 19-34. Lorsque vous serez en danger, appelez Psaume 91. Lorsque Dieu semblera être distant, appelez Psaume 63. Lorsque votre foi aura besoin d'être activée, appelez Hébreux 11. Lorsque vous serez solitaire et que vous aurez peur, appelez Psaume 23. Lorsque vous serez rude et critique, appelez 1 Corinthiens 13. Pour connaître le secret du bonheur, appelez Colossiens au chapitre 3, du verset 12 au 17. Lorsque vous vous sentirez triste et seul, appelez Romains au chapitre 8, du verset 31 au 39. Lorsque vous voudrez la paix et le repos, appelez Matthieu au chapitre 11, du verset 25 au 30. Lorsque le monde paraîtra plus grand que Dieu, appelez Psaume 90. Notez-les dans votre agenda. L'un d'eux peut être important à n'importe quel moment de votre vie. Et passez cela aux personnes que vous aimez. Il se peut que l'un de ces numéros d'urgence sauve une vie.